a vu la dernière fois comment on faisait switchy avec les balles, d'une balle à l'autre. Et ce qu'on va voir maintenant, donc la cessation elle est automatique d'une balle sur l'autre, mais on va voir maintenant comment on passe de la cessation sur deux balles, qui est très facile, à la cessation sur une seule balle. Et de voir quelles sont les meilleures recettes pour obtenir une cessation fiable. Alors, d'abord, on est bien d'accord qu'il doit y avoir une inhibition. Si on n'a pas cette inhibition, il faut vraiment travailler. Cette inhibition, elle s'entend également avec le mouvement. Voilà, le chien prend vraiment le posturon. Alors, les deux meilleures façons de procéder, c'est d'avoir le chien couché. Et quand vous avez la peine d'obtenir la cessation, vous lui montrez qu'il y a une deuxième balle. Oh, oh. On va le refaire une fois. Voilà, le chien est content d'avoir sa balle. Très important, on évite de garder la main dessus. Parce que si on garde la main dessus, surtout si la ficelle est tendue, la cessation sera plus difficile. Donc ça, il doit bien être entendu que c'est promis. On ira la chercher. Si le chien est entraîné à voir votre main vide, prêt à lui donner quelque chose tout à l'heure, dans la poche, voilà. Et enfin, on va faire l'échange sur une seule balle. Hop. Précisons que le chien, au moment où on pose la main sur la balle, il ne doit pas se jeter dessus. Donc quand on en est à ce stade-là, c'est bien de lui apprendre qu'on peut garder le nœud sur la main sur la ficelle. Mais toujours détendu. Hop. Voilà, là on le voit peut-être pas, là il a lâché la balle. Si, si, on voit. Halt. Tiens. 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 Voilà. Ok. Alors, comme code, c'est intéressant de lui faire, de se mettre pas en face de lui, parce que sinon, le chien il sait pas s'il doit prendre ou pas prendre. Voilà, comme ça c'est plus facile. Voilà, ça c'est pour la cessation sur la base. Hein, Loulou ?